connaître également, parce qu'il faut nous honnêtes pour nous reconnaître que le secteur démocratique là, il n'y a pas qu'à faire tout exploit ça yo, s'il n'y a pas rencontré sous chemin bataille là des alliés extraordinaires. Ah oui, nous rencontrer des alliés, des associés politiques extraordinaires sous chemin bataille là. De nous rencontrer avec AAA, sénateur La Tortue, de nous rencontrer sénateur Jacinthe, de nous rencontrer avec Mundir Podio, de nous rencontrer l'autre groupe yo, MTV, de nous rencontrer avec Famille Lavalas, et c'est le ça, nous pourrons venir gagner plus force pour nous mener bataille là. Nous n'avons pas mené cette bataille seul, nous n'avons pas jamais capable de mener le seul, et c'est ça que fait. Premièrement, nous saluer tout le monde, société civile, politique, qui participent dans la grosse bataille pour la libération ça, et nous avons renouvelé l'engagement nous, pour nous continuer la bataille avec l'autre groupe politique, l'autre groupe société civile, pour nous être capables de changer la condition de la vie du peuple. Parce que l'éclair, un seul groupe n'est pas capable de mener une bataille. Ça. Pour contre lui, le secteur démocratique n'est pas efficace si pas de gagner d'autres alliés, d'autres structures de la société civile, d'autres groupes politiques, d'autres personnalités qui étaient rentrées dans la bataille. Ça. Nous gagnons une pensée spéciale pour prisonniers politiques. Yo. Arnel Belizère, Kilig, Joanel, tout l'autre qui est avec lui. Je parle de Abelson Gouneg, je m'espère un HO tout qui a persécuté. Nous avons une pensée spéciale pour eux. Et nous saluons tout avocat qui est engagé dans la bataille pour la libération des prisonniers politiques. Yo. Nous saluons tout avocat qui a bataille pour craser, pour stopper la machine répression. Machine persécution politique. On peut parler de M. Caleb Jean-Baptiste, on peut parler de M. Marc-Antoine Maisonneuve, M. Arnel Rémy, M. Joseph Manès lui, on peut parler de M. Camille Leblanc, M. Renaud Georges, on peut parler de M. Stanley Lafortune, M. Palvin Fizema, M. Franck Jules. Et tout l'autre que je ne peux pas citer, non, yo, ce sont des avocats engagés pour la cause démocratique, engagés dans la bataille pour nous joindre libération prisonniers politiques. Jodia, c'est 20 mai 2021. Nous féliciter dans nos secteurs démocratiques là. Toute population, tout le monde qui a participé dans la grosse journée de mobilisation qui a été faite 18 mai 2021 qui s'est passé là. Côté nous avons dit, nous pas dans un référendum avec Jovenel Moïse, nous pas dans élection avec Jovenel Moïse, nous réclamer respect article 134-2 Constitution. Et m'a tout annoncé nous. M'a tout annoncé nous. Que sorti dimanche 23 mai pour arriver mercredi 26 mai, secteur démocratique là, il gon gros tourner l'a commencé dans toute zone département l'ouest là, dans toute région des Palmes pour mobiliser population hein, contre référendum Malathion Jovenel Moïse là. Et sorti 27 mai pour arriver 30 mai, eh bien tournée li pral fait dans l'autre département géographique pays a parce que secteur démocratique là dans bataille secteur démocratique là font tourner à font virer dans tout pays a pour mobiliser peuple là pour craser parc en parc référendum Jovenel Moïse là il besoin font référendum pour pas juger monde qui fait massacre la Saline il besoin faire référendum pour faire constitution pour pas juger parce qu'il vole tout comme pays a il besoin font référendum pour bal impunité avec tout corps voyou PHTK. Cela ne passera pas. Peuple a mobilisé, peuple a crasé pack en pack. Référendum ça qu'a fait là, parce que peuple haïtien son peuple vivant, son peuple qui gagne objectif, son peuple qui gagne détermination. Nous sommes au mois de mai 2021. Pas oublier. Depuis mai 2011, communauté internationale a mis PHTK sous pouvoir. Sorti mai 2011 pour arriver mai 2021, PHTK sous pouvoir, c'est blanc qui mettait, c'est pas peuple qui mettait. Pendant 10 ans, PHTK crasé pays. PHTK crasé tout ça qui existait. Il crasé la police, il crasé la justice, il crasé le parlement, il crasé la collectivité territoriale. Yo mette gang dans tout pays, a kidnappé moun, touye moun, violé moun. Yo augmenté misère peuple là. Peuple là pa ka manger dans quartier populaire yo. Moun yo pa ka manger dans section communale yo. Pa gen moun ki ka payer l'école pour petit yo. PHTK pa construit on l'école dans pays a
après 10 ans, yo fait, y a gagoté l'argent l'État. C'est corruption sur toute la ligne. PHTK pas construit on l'hôpital dans le pays. PHTK pas construit on latrine dans le pays. PHTK craser production nationale là. Nous importer plus du riz, nous importer plus farine, nous importer tout ça n'a pas mangé, nous importer hot dog, nous importer poule. Le PHTK a détruit le pays en 10 ans de pouvoir. Ce sont des destructeurs de pays, ce sont des destructeurs de nations. Aujourd'hui, le bilan de cette équipe qui est au pouvoir depuis 10 ans, c'est une catastrophe politique, c'est une catastrophe économique. Pas rien qui a fonctionné. La police pas joué de moyens pour le travail. Professeur pas qu'à toucher. Classe moyenne détruit. PHTK appauvri classe moyenne. Totalement. Le PHTK a détruit le pays en 10 ans de pouvoir. Et c'est ça le bilan de cette équipe. Et c'est ça que fait. L'autant de PHTK parle de l'élection. PHTK qu'on est. Depuis qu'on a élection démocratique, conditions réunies, c'est l'opposition qui a gagné l'élection. Mais on dit qu'on voulait faire une élection avec un conseil électoral qui a 9 membres PHTK à la donne. On voulait faire une élection avec des groupes armés qui contrôlent le territoire pour être capable de faire un tapis sous pouvoir pour continuer à craser le pays. Alors, de toute façon, la bataille contre ce référendum Malachon est lancée depuis lundi 18 mai 2021, et bataille ça va la poursuivre. Et dans tout le secteur démocratique, la va le faire. Dans le village, on va le faire. Dans la zone métropolitaine, dans tout le pays, sorti dimanche 23 mai pour arriver dimanche 30 mai, nous va mobiliser la population. Nous va mobiliser le peuple pour nous craser pack en pack référendum ça. Parce que référendum ça, c'est une provocation. La population doit comprendre. Tout ça avec marqué référendum, crasez le. Bandroit le référendum, crasez. Des bons bagailles qui marquent référendum, crasez. C'est une provocation. On ne peut pas accepter ça. Nous, pas qu'un citoyen, pour nous, non pays, pour nous accepter un seul nègre campé, livre le fond constitution pour contre avec Inops. Ce n'est pas normal. Le mot d'ordre est clair. Nous devons écraser pack en pack référendum. Jovenel Moïse là. Tout ça qui a un rapport avec le référendum, banderole, matériel, crasé, plat. La mobilisation doit être totale. Parce que son provocation, parce que nous n'avons pas le droit d'accepter. 95% de la population en parlait déjà pendant le référendum. Communauté internationale dit le pas bon. Diaspora dit le pas bon. Avocat dit le pas bon. Société civile dit le pas bon. Tout le monde dit le pas bon. Jovenel Moïse le fait pour contre lui, pour le faire en constitution pour col. On ne peut pas accepter ça. Ils ont fait nous le faire tourner ça. Il y a pour mobiliser le pays. Et pour mettre en échec ce projet de référendum inconstitutionnel de Jovenel Moïse. Voilà. Acteur démocratique là, accompagné avec Kadli et représentant comité mobilisation, commission mobilisation, à bail jeudi, dans un contexte bien spécial. En premier lieu, permettez-moi pour me faire rafraîchir mémoire sous différentes étapes que le secteur démocratique là prend dans la bataille. C'est en août 2017, j'ai tout le monde capable de songer, un groupe personnalité politique, un groupe femme, un groupe garçon, un groupe parti politique, organisation sociale, organisation syndicale, t'es conscient de situation que pays n'est tombé là-dedans, de gringolade que pays n'est tap. Nous, t'es metté ensemble pour nous t'y aller faire un congrès dans Villa Caillé, côté nous t'as pral frotter l'idée ensemble. Pour nous garder qui puis bon moyen pour nous affronter crise que nous té ouais que pays nous tap glisser la donne. C'est comme ça en août 2017 après congrès de l'Arcaïe, secteur démocratique là prend naissance. Et c'est comme ça tout mission nous qui c'était marcher conscientiser population, marcher conscientiser femmes et garçons qui fait politique. Marcher conscientiser tout citoyen et citoyenne engagé sous danger qui plane sous tête pays a dans conscientisation ensemble avec parlementaires que nous gagnons
Nous avons gagné qui était dans le Parlement, qui sont des sénateurs. Nous n'avons jamais capable d'oublier les 4 sénateurs qui travaillent que nous avons fait. Nous n'avons jamais oublié qui ça, sénateur et beau plan te fait. Sénateur Ricard, sénateur Nenel, sénateur Antonio, cher ami, qui bataille que vous avez mené en dedans Parlement. Nous pas qu'à oublier qui bataille, député qui dans l'opposition te fait. Mapsing en mémoire là, député Bossé et un pilote député qui pas de jambes marchandes de vote, qui pas de jambes marchandes et engagement que vous avez gagné pour payer ça, malgré les privilèges qui t'ont mis en terre, malgré des corruptions, que tes tentatives de corruption que vous avez battu pour entrer la donne, vous avez kembe ligne pour aider pays ça à sortir dans salier. Après, à côté bataille parlementaire, travail conscientisation que le secteur démocratique l'a fait, il est arrivé à conscientiser en gros tout le secteur de la vie nationale là, sous question, ensemble avec Genio, sous question pétro-caribéen, sous question corruption. Le secteur démocratique, comme faire de lance bataille, l'a avancé. En août 2018, un an après, secteur démocratique l'ont sorti première résolution, première proposition sortie de crise que toute par la suite toute l'autre organisation politique et toute l'autre pral continuer sous même lancer ça avec des propositions de sortie de crise. Mobilisation approchait sous affaire Petro-Caribé, sous affaire assassinat, pouvoir l'entrée tête baissée nos affaires assassiner moun, nos affaires barricader quartier populaire yo. Nous avons fait gangstériser le quartier populaire. Nous avons en mémoire dernière conférence de presse que nous fait le 15 novembre 2018 en dans la Saline. Qui pral bay suite à massacre la Saline. Je m'excuse, ce n'est pas 15 novembre, c'est 15 octobre. Qui pral bay suite à massacre la Saline. Qui pral bay suite avec des massacres qui pral fait un peu partout dans les quartiers populaires. Volonté pour voir ça. C'est pas quitter poche de résistance, yo. Pas quitter espace pour population à manifester, conscientiser, mais le secteur démocratique l'a toujours continué à accompagner. Dans le domaine conscientisation, toujours, nous dérivons avec des forces vives dans le pays, avec des organisations de base, des organisations syndicales, des organisations politiques, nous dérivons ensemble, mettez proposition sortie de crise secteur démocratique là, ensemble avec de l'autre proposition qui t'a gagné pour nous te faire au fond seul, qui t'a ban nous alternative consensuelle. Dans l'alternative consensuelle là, nous songeons nous t'a lancé dans ville Mirbalais. Dans ville Mirbalais, côté à travers les 10 départements du pays et de la diaspora, toute population échantillonnage t'est réuni d'une seule voix pour te dit yo a marché des propositions de sortie de crise ça qui c'est alternative consensuelle là qui t'est établi chemin pour pays arriver nos transitions. Nous voulons transition c'est parce que pays ça nous t'est estimé il pas capable passer plus temps dans problème ni pas capable passer plus temps parce que l'éclair ou gain rapport Petro-Caribé qui indexé yon président de la République dans corruption ou gain des massacres des rapports des organisations de droit moun qui indexé yon président équipe li nan massacre ça veut dire pays a pataka a continuer vivre fonctionner en bas un régime totalitaire en bas un groupe moun qui prend criminalité comme mode de gouvernance. Là nous sorti nan alternative consensuelle toujours nan mettez tête ensemble nan toujours parce que objectif là c'est secteur démocratique l'ont dit c'est rassembler toute force du pays d'Haïti tout ça qui voulait ça manquait une ça qui était l'autre derrière c'est comme ça nous vinn mobilisation après poursuivre nous songeons gros mobilisation qui gagne 17 novembre nous songeons 18 novembre nous songeons en pile l'autre pour nous river nan et activité qui était faite dans Mariotte. Activité Mariotte, côté passerelle, un groupe de société civile, là, te vin mette main avec des organisations politiques, te vin mette main avec toute force dans le pays, là, pour te sortir une autre proposition encore. Nous toujours montrer bonne foi, nous. Secteur démocratique, la bataille que l'a mené en son bataille démocratique. Secteur démocratique, là, opté pour toute forme de bataille que l'a mené, c'est mode de bataille qui conforme à sa démocratie recommandée. Devant toute provocation, devant tout assassinat, nous tous journalistes qui là, c'est pas moi, c'est pas nous, une sous table pour apprendre nous combien de monde qui mourit, combien de monde qui assassiné,
combien de militants qui tombent, combien de citoyens, citoyennes engagés qui prennent la rue en calme manifester pour dire non, qui prennent balle. Citoyens et citoyennes dans le quartier populaire, que pour intérêt pouvoir l'an, yo touye, pouvoir l'an touye. Secteur démocratique l'an, pas jambé célébral, li toujours accompagné population. Nous arrivons dans une période spéciale. Côté pays à vivre nos moments très spécial. Mandat constitutionnel que yo dit Jovenel Moïse Gagnon, constitution pays d'Haïti, qui c'est constitution 1987, qui t'a amendé à constitution anti, mandat Jovenel Moïse fini constitutionnellement 7 février 2021. Secteur démocratique, sous base idéologie qui a traversé, sous base bataille démocratie que l'a mené, lui continue à mener bataille démocratie pour nous chercher voies et moyens pour déraciner Jovenel Moïse à toute équipe liant, notre tête pouvoir là, parce que qui s'en a vivre avant pouvoir, c'est criminalité, c'est kidnapping, c'est militants qui sont en prison, militants qui sont maltraités. Nous avons là un camarade qui a maltraité la fois dernière son militant Sean Mas, qui la police joigne, la police manque de tuer la bâton, ils ont arrêté, ils ont maltraité, ils ont mis en prison pour qui ça, pour conviction politique. Avec seules âmes que le gagne dans le c'est bouche li pour la dire non, il n'y a pas qu'à vivre comme ça. En tant que jeune, il n'y a pas qu'à tolérer que l'avenir l'hypothéquer. En tant que jeune, il n'y a pas qu'à assister que un groupe monde campé, il a déchappé 4,8 milliards de dollars sans que lui-même. En tant que moun, en tant que jeune, il n'y a pas rien qui a obtenu pour capable vivre dans le pays le temps que moun. C'est dans ce sens, secteur démocratique là, ferme à l'idéal, ferme à conviction démocratique que tout le monde li yo adhéré la donne. Nous venons là pour nous dire population. En tant que fer de lance bataille là, nous avons continué à goumer. Nous avons continué à accompagner la population. Nous avons continué à faire tout ce qui est capable pour nous sortir de la crise que le pays d'Haïti la donne. Secteur démocratique, continuez à ouvrir bras par tous les amis, tous les groupes politiques, toutes les associations, tous les groupes syndicaux qui décident de dire qu'il faut que ça change et qui décident de bataille. Encore plus, bataille la d'emblée parce que ça qui pendait sous tête nous là en tant que citoyen, en tant que citoyenne, li pas petit, li énorme. L'on pense, l'on garde pour yon moun, ak yon petit groupe moun, 5 moun décide pour changer une constitution, pour écrire une constitution pour tout un peuple. Malgré nous disons non, hypocrisie communauté internationale là, double jeu communauté internationale là, conforté yo et avancer la donne, c'est tant que vous te cap dit, tout le monde dans le pays a mettre mourir depuis Jovenel Moïse rivé mettez constitution le campé ça pas garder pièce pour nous même dans le secteur démocratique là nous dit jamais ça pas fait hypothéquer pays a nous pas quitter Jovenel hypothéquer pays a à travers une élection un référendum côté le pral préparer pour amnistier tête li pour l'amnistier tout le monde qui fait tout crime. Tout le monde qui fait crime financier crime de sang dans le pays d'Haïti c'est dans ce sens ça secteur démocratique là réuni là comme faire de la bataille pour nous vindre la population. Nous dans bataille, nous continuons dans la bataille. Pays côté gain haïtien, Canada, Chili, Brésil et en Europe. L'ensemble ça au niveau secteur démocratique là il en toute opposition, nous voyons qu'aucune chaîne félicitations pour toute diaspora haïtienne qui goumen désormais qui gain place li dans bataille pour bien-être pays d'Haïti. Dans bataille pour établir état des droits dans le pays. Bataille contre dictature, bataille contre kidnapping, bataille contre insécurité. L'ensemble ça, n'a pas salué dans différents têtes ensemble de camarades dans la diaspora qui te prend responsabilité yo pour te banou qu'aucune chaîne massacre te fait Washington 18 mai 2021 qui portait en pile résultat. N'a pas salué au niveau de état de Georgia camarade Woody Metellus et toute l'autre équipe qui t'a accompagné, qui était à Washington. N'a pas salué au niveau de Florida, camarade Théobald Pierre-Paul, camarade Farajus et toute l'autre équipe Florida. N'a pas salué au niveau Washington, camarade Fabienne Philippe, camarade Yves Célestin qui t'a accompagné, toute équipe qui était avec lui. Au niveau de New York, n'a pas salué camarade Fred Joseph, député Ernst Wilson, camarade Jean-Gardi Astrel et toute reste équipe qui t'a accompagné, qui t'a organisé qu'aucune chaîne massacre. Au niveau New Jersey, n'a pas salué PDG Gérard Alexandre, qui est propriétaire Gamma International.
Au niveau de Massachusetts, nous saluons PDG Nicolas, qui est propriétaire radio-télévision Planète Compas. Et nous ne pouvons pas voir encore une chaîne de salutations tout pour la délégation secteur démocratique là, qui a représenté nous au niveau Washington dans Massa. Nous saluons député Eric Saint-Cyr, député Milien Hommage. Nous saluons ingénieur Paulin Geffroy et nous saluons de façon particulière tout l'autre monde qui a fait déplacement, en particulier magistrat Yvon Jérôme qui a participé dans Massa et tout l'autre artiste haïtien qui a porté collé la réalisation grande Massa qui a fait au niveau de Washington. Nous voyons qui ça Massa a porté déjà la maison d'Haïti caucus au niveau du Congrès. House Haiti caucus. Kounye a Haïti gon place dans le Congrès côté que n'a pas discuté tout ça qui a rapport avec politique, diplomatie, sociale pays d'Haïti dans le cœur Washington. Jodi a là, nous pas gen moun seulement au niveau des ambassades États-Unis qui peuvent voir des câbles, des informations mensongères au niveau Washington. Kounye a nous gon place. Haïtien capable sort Haïti aller dans l'espace ça. Haïtien qui dans diaspora aux États-Unis capable aller Washington qui a le porter parole, a le porter revendication pour aller dire non à ingérence, oui à une politique de qualité, à une politique équilibrée pour capable retirer Haïti la situation difficile que lié là. Parce que nous dans 10 dernières années là régime PHTK, c'est pas de menti diplomate américain. Bye. Sous pays à situation pays à aux États-Unis. Bon, nous comprenons, parce que c'est eux-mêmes qui te mettent là, pas de élection vraiment, c'est des sélections que tu gagnes qui fait que y a bail menti pour montrer que bagaille a bien déroulé. Nous, matin, midi, soir, massacre a fait dans le quartier populaire. La Saline, Bel Air, Cité Soleil, Saint-Marc, Mariani, Cafoufeuille, Matissan, Okaï, tout côté massacre a fait dans le pays à. Au Cap, nous ne parlons jamais moins. Ambassadio parler voye information ça va aller. Par contre, y a dit que gouvernement haïtien a fait bon bagage. Yo pas jamais entendre yo dénoncer corruption qui gagné dans pays que gouvernement PHTK a fait. N'est-ce pas opposition politique là avec bien sûr les organismes droits humains en particulier la RNDDH et mais jodi à là et congressmen congressmen yo pas t'a connait de ce qui est ta situation pays d'Haïti. La question corruption, la question violation de l'homme. Et bien, espace ça, et où c'est le caucus là, son espace côté que nous allons gagner pour nous porter revendication, nous, pour nous parler, pour nous discuter, pour nous faire revendication, nous passer et discuter vraie politique qui ligne que pour nous bailler pays. Nous. Dans ce sens, nous félicité tout congressman et congresswoman, nous félicité sénateur autour parce que nous connaissons la tête commission affaires étrangères là, qui est le sénateur Patrick Liaï. Qui sont gros garçons au niveau du Sénat américain, qui accompagnaient les congressmen et congresswomen. Tout congresswomen et congressmen qui prend initiative pour mettre Maison d'Haïti caucus à camper dans le Congrès, en particulier congresswomen Yvette Diclat, congressmen Andy Levine, congressmen Gregory Mix, qui est président de la Commission Affaires étrangères, L. E. Mix, congressmen Sibio, Storres et tout l'autre congressman et congresswoman, Maxine Waders et tout l'autre congresswoman et congressman et sénateur qui participaient à l'initiative ça. Et nous avons félicité tout et Black Caucus qui t'a envoyé congresswoman Yvette Diclac qui t'a représenté, qui t'a pris la parole dans le cadre de Massa au niveau de Washington, mardi 18 mai, qui t'a porté parole. Tout congressman à congresswoman qui a supporté le peuple haïtien, l'enquête pour la démocratie, contre l'insécurité, contre et le kidnapping. Dans ce sens, encore une fois, je salue toute diaspora haïtienne et le peuple haïtien, comptez sur vous. Et nous n'avons pas besoin de nous dire nous, faut nous faire 10, faut nous faire date pour nous capables de représenter le pays. Nous. Parce que nous parlons là seulement pour nous avoir l'argent, pour nous avoir transfert. Bah, il faut nous et pour nous faire l'autre bagage dans le pays. Nous, représenter le pays de façon valable. Et me féliciter nous et nous continuer à suivre nous, nous continuer à accompagner nous. Rendez-vous le 18 juin devant les Nations Unies. Merci.